Salut, c'est Antoine, bienvenue dans ce nouveau vlog musical. Alors tu sais qu'on parle de créer des chansons, écrire de la musique et mettre plus de créativité dans ta vie. Et je voudrais qu'on parle de ça justement aujourd'hui parce que si tu veux, je m'aperçois, puis bon, enfin, c'est pas moi, je suis pas le seul à m'apercevoir de ça, mais on devient vachement passif en fait par rapport à ce qu'on voit ou au contenu qu'on regarde. Et avant, on était beaucoup plus actifs. C'est-à-dire que avant, par exemple, les parents ils racontaient des histoires aux enfants. Donc, il fallait qu'ils inventent une histoire. Maintenant, y a des chaînes YouTube d'histoire où il y a des applications avec des petits films, des petites vidéos. Alors, je dis pas, hein, ça peut être sympa aussi. Mais du coup, par rapport à la création, on se met plus en créativité. Tu vois, on se met plus à inventer une histoire, à se creuser un peu les neurones comme ça pour inventer quelque chose. Et c'est pareil pour le contenu. Par exemple, sur Facebook, tu vas scanner là, ou Instagram ou quoi, tu vas scroller. Tu vas regarder du contenu. Mais toi, tu es passif en fait. Tu prends le contenu qui est proposé quoi, sur ton smartphone. Et moi, ce que je voudrais t'inviter à faire aujourd'hui, c'est à créer quelque chose. Tu crées quelque chose. Aujourd'hui, tu crées quelque chose, c'est-à-dire tu fais quelque chose dont c'est toi le créateur. Alors, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être que tu as des enfants. Raconte-leur une petite histoire. Ce soir, tu leur racontes une petite histoire où c'est toi qui l'as inventée, d'accord ? Alors, on s'en fout, tu dis c'est un chien, il va se promener et puis dans la forêt, puis il va rencontrer des animaux. Toi, classique, voilà, il a rencontré trois personnes, trois animaux, ça te fait trois petits dialogues et tu as déjà créé ton histoire. Je sais pas, si tu n'as pas d'idée, tu cuisines par exemple ce midi, tu dis je vais inventer un plat. On s'en fout, ça n'a pas besoin d'être… Toi, je veux dire, si tu as l'habitude de faire des pâtes à la bolognaise par exemple, tu vas faire une autre sauce. Tu vas prendre, je sais pas moi, des champignons, tu vas mettre un peu de crème, puis tu vas faire des pâtes à la crème ou champignons. Mais tu mets ton petit grain de sel, tu vois. Tu crées un truc. Et si tu écris, si tu aimes bien écrire un peu, écris un poème. Ou même si tu n'as pas l'habitude d'écrire, écris un poème. Tiens, essaye, écris un petit truc. Même s'il n'y a pas encore des belles rimes, même si voilà, le nombre de pieds ça marche pas, mais écris un truc, tu vois, comme un petit… Imagine par exemple que tu as ta meilleure amie ou ton meilleur ami qui t'appelle puis il dit tiens, surprise, je vais me marier la semaine prochaine, j'aimerais bien que tu dises quelques mots, à cette occasion. Et mets-toi dans cette position-là puis t'écris quelques mots, tu dis tiens, allez, qu'est-ce que j'aurais envie de dire à mes amis proches, voilà. Et tu crées quelque chose, donc tu vois, il y a plein de… Il y a vraiment tout peut être un alibi quoi, à la création. Mais ce que ça va changer, c'est que tu sais, on a parlé dans une précédente vidéo des belles choses. Et en fait, en faisant ça, en créant quelque chose aujourd'hui pour toi ou pour tes enfants ou pour ton conjoint ou pour tes amis, ta famille, tu vas créer une belle chose. C'est-à-dire que cette petite histoire que tu vas inventer, ça ne sera peut-être pas comme d'habitude. Peut-être que tes enfants, ils ont l'habitude par exemple de lire un livre avec des images, un livre d'histoire. Et si tu leur dis, les enfants, je vais vous raconter moi une histoire, l'histoire de maman, l'histoire de papa, une histoire que moi je connais, que vous ne connaissez pas et qui n'est pas dans les livres. Eh bien, cette histoire, elle va être beaucoup plus précieuse pour tes enfants parce que ça sera une histoire inventée, ce sera une histoire qui n'attendait pas, ce sera quelque chose qui vient de toi et là, tu vas créer une belle chose, tu vas leur créer un beau souvenir. Et c'est pareil si, c'est pour une recette de cuisine. Bien souvent, tu sais, il y a des belles choses comme ça qui ont été créées par accident. Toi, des peintres, à un moment, ils n'avaient plus la couleur, machin, ils ont dû finir à l'arrache.
des plats c'était raté, le gars il a laissé la pâte trop longtemps lever et puis tout d'un coup ça a fait un champignon, enfin bref, il y a plein de recettes comme ça qui ont été inventées par accident et je t'invite moi à créer quelque chose aujourd'hui, d'accord? C'est le défi que je te pose, enfin que je te donne. Alors tu peux mettre en commentaire, d'accord, si tu l'as fait, mets en commentaire, franchement ça m'intéresse, qu'est-ce que tu as inventé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as inventé pour tes amis, ta famille, que ça soit même un trajet par exemple, tu vois, je veux dire, tu as toujours l'habitude de passer de passer par un trajet, par exemple pour aller à ton travail, invente un autre trajet, prends une petite route, fais autre chose, prends un petit détour, même si c'est un chemin plus long, c'est pas grave, ça te changera les idées, ça va te faire changer aussi le paysage, tu sais, on en a parlé, ça aide aussi à créer. Et puis bah écoute, ça sera rigolo, ça sera sympa, tu auras fait un truc de nouveau. Et vraiment, je t'assure, ce qui est vraiment important, c'est ce qui compte le plus pour moi, c'est de pouvoir créer des belles choses pour les autres. Si tu peux créer pour toi aussi, hein, créer des belles choses pour toi bien sûr et pour les autres. Et vraiment, si tu inventes une histoire ce soir, si tu cuisines un tout petit peu différemment, tu changes un petit truc, franchement ça sera super, ça vaudra le coup. Donc voilà, je t'invite à faire ça. Tu sais que tous les dimanches, il y a des vidéos pour apprendre à chanter. Donc ça, c'est le dimanche. Et là, il y a plein de vidéos qu'on t'a préparées. Et tu vas voir, ça va être sympa. Tu vas apprendre plein de trucs. Voilà. Et vraiment, mets-moi en commentaire ce que tu auras inventé aujourd'hui, ce que tu auras créé, si c'est une recette, si c'est une histoire pour tes enfants. Voilà, mets-le, ça vaut le coup. À très bientôt. Ciao.